Non, c'est une langue à part entière qui s'est formée sur à partir d'un fond lexical précis et dans un substrat particulier. Et évidemment, on comprendrait pourquoi le créole, qui est à majorité lexicale française, a cette sonorité, parce que les esclaves, donc déportés, qui se sont retrouvés de différentes nations, ne pouvant pas communiquer entre eux, ils entendaient ce que disaient les maîtres, ils le reprenaient, mais par leur gosier, par leur encas phonatoire, par leur encas phonatoire, par leur encas.